2014, Black M sortait tout juste de sa séparation avec la section d'assaut et sort comme premier projet solo, les yeux plus gros que le monde. On aurait pu croire que ses débuts en étant seul allaient être compliqués vu que c'est quelque chose de nouveau pour lui. Pourtant, en tout juste un an, le projet fera diamant. Plus de 500 000 ventes poussées par de très gros hits. Sur ma route, Madame Pavushko, qui atteindront un public plus large que le rap en passant par les radios et la télé. On est d'accord, c'est une dinguerie. Pourtant, aujourd'hui, 9 ans plus tard, sa situation est chaotique. Il a fait 500 ventes en première semaine sur son projet sorti il y a 2 ans et vient de balancer un album il y a un mois qui en a tout juste fait 1000. On parle d'une réelle chute commerciale, sûrement l'une des plus grosses de ces dernières années. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je vais tout vous expliquer, mais avant ça, vous vous demandez sûrement comment fait-il pour être aussi productif? C'est vrai, regardez comment je suis actif sur YouTube. Récemment, mes nuits ont grave changé, je dors mieux, et ça, c'est grâce à Emma Sleep. Il propose une large gamme de matelas, et chacun a un peu sa particularité. Moi, j'ai pris l'hybride 2, alors il a 5 zones de soutien, et a surtout été classé numéro 1 des meilleurs matelas testés en France, en 2023. Il a même gagné plusieurs awards. T'as aussi l'original, qui a été le matelas le plus vendu en France en 2020 et 2021. Mais c'est pas tout. Il propose aussi des surmatelas, des couettes, du linge de lit, mais surtout, des oreillers. Et pour de vrai, trouver un oreiller confortable, ça a été mon combat pendant des années. J'ai tout testé. Mais celui-là, faut vraiment qu'on en parle. En fait, ils ont ajouté une technologie, Air Grid. C'est ce motif-là en nid d'abeille qui répartit tout ton poids pour que ça soit encore plus confortable. Et pour de vrai, c'est vraiment une dinguerie. Pour le coup, celui-là est à mémoire de forme, mais il y a aussi une version nuage pour ceux qui préfèrent. Tous les matelas sont garantis 10 ans, livraison et retour gratuit, et vous avez 100 nuits d'essai. En plus, en ce moment, c'est le Black Friday sur le site d'Emma. Jusqu'au 4 décembre, vous avez de grosses promos, et avec le code SIXELA, vous avez 10% de remise supplémentaire. Ça va durer 2 semaines, alors faites-vous plaisir, le lien est en description. Et évidemment, merci à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo. On reprend. Bon, avant de parler de chute, faut noter que la carrière de Black M reste incroyable. Il va naître en 84, à Paname, dans le 7ème, dans une chambre de bonne avec ses deux parents et ses frères et sœurs. C'est pas le thème de la vidéo, alors on avance un peu dans son enfance, jusqu'à ses 14 ans, là où il va se mettre à rapper. En fait, faut comprendre que très jeune, il va baigner dans la musique. En passant par Michael Jackson, le rap US avec Eminem, et va même s'intéresser à la scène marseillaise, notamment à Yam. Alors il commence à rapper sur les textes de rappeurs déjà connus, puis se mettra finalement à écrire ses propres textes. Mais à ce moment-là, c'est pas fou. Et personne ne croit en lui. À la maison, ils sont pas trop dans la musique. Et dans le 7ème, il connaît personne qui rap. Par-dessus ça, c'est une période où c'est un peu la merde. Vu qu'à l'école, il est pas très bon, il a ni le brevet, ni le bac, alors il a pas le choix. Faut qu'il arrache tout dans la musique. Bon, c'est les débuts, c'est pas facile. Il s'appellera en premier temps La Stratégie, puis un pote lui dira que son blaze est bien naze. Alors il se renommera Black Mainstream, en référence justement au criminel. Il continuera de rapper pendant longtemps, sans vraiment de résultats. Il formera même un groupe avec des potes, mais se rendra rapidement compte qu'ils avaient pas la même déter que lui. Lui était beaucoup plus impliqué. Plus tard, un de ses potes qui habite dans le 9ème lui dit qu'un groupe de gars de chez lui rappe et qu'il veut les présenter. Évidemment, c'est là qu'on parle de la section. Faut savoir qu'à ce moment-là, le groupe est déjà en partie formé. Leur but, c'est un peu de réunir tous les meilleurs rappeurs de Paname avec eux. Et Black M est justement l'un des derniers à les rejoindre. Mais avant ça, au moment où on lui fait écouter quelques sons de la section, ça se passe pas très bien. Et c'est vrai que quand j'entends la première fois, je comprends pas, j'aime pas. Limite, je dis, bah ça m'intéresse pas de les rencontrer. Au fil du temps, il est rejoint en studio, pose un freestyle, c'est là que les étoiles s'alignent. Je rappe, je crois, j'ai rappé 8 phrases, 8 mesures. Et au bout de 8 mesures, je vois Adama, il jette son cahier. Ah! Il est trop fort, Maska aussi, pareil, ça me check, tout, machin, ça dit, tu fais partie de la section d'assaut. Et j'ai pas eu le choix, en fait. Bref, Black M fait officiellement partie de l'équipe. Il a enfin trouvé des mecs tout aussi Trix McLuy par le Pura. Tout se passe trop bien. Au-delà même d'un groupe, il a trouvé de vrais amis. Il a créé de vrais liens. Et l'histoire est belle parce que ce groupe de potes retournera le game en 2011, enchaînera les grosses sorties en 2012, devenant les rappeurs du moment. Et après une big tournée, vous connaissez la suite, ils finissent par se séparer. Alors Gims étant à la tête de ce groupe, il s'en sort super bien. Il sort un premier projet faisant d'énormes scores. L'époque de Je me tire, Bella. Ce qui va forcément challenger Black M parce que lui aussi prépare un album de son côté. Et les gens se demandent comment lui va s'en sortir. On est en 2014, les yeux plus gros que le monde sort, et à la surprise de tout le monde, ça marche de fou. Même stratégique pour Gims, il s'éloigne du rap sur certains singles pour des sons qui se replayent plus facilement, et c'est un pari réussi. L'album dépasse aujourd'hui les 900 000 ventes, ce qui déboule évidemment sur une grosse tournée, ses singles envahissent les radios et les télés. Quelques années plus tôt, c'est pas celui qui se mettait le plus en avant dans la section. On l'attendait, ouais, mais pas autant qu'un Gims ou même qu'un Lefa. Tout ça pour dire que c'est fou ce qui se passe, Black M devient vraiment une superstar française. Mais il y a quand même une différence entre son explosion et celle de Gims. Comme on l'a dit, les deux réussiront à toucher un public qui dépasse celui du rap. Mais d'un côté, Gims s'intéressera à une tranche d'âge assez large avec ses sons chantés. J'aurais pas été étonné de voir des darons écouter Bella quand ça tournait de partout. Et ça s'est encore plus confirmé avec les années, en fitant avec Devianney, Vita, Kenji Girac. Alors que de son côté, Black M misera sur un public plus jeune, des collégiens, en faisant des clips comme Madame Pavushko ou même en invitant Kev Adams. Il se met à remplir des
des grosses salles, fait même un feat avec Shakira. Sur le moment, c'est une stratégie qui marche fort, mais à ce moment-là, on sait pas encore combien de temps tout ça va durer. On est en 2016 et Black M taffe sur son deuxième album, sauf qu'il se prend une première polémique. En fait, il est programmé pour faire un concert à Verdun pour justement célébrer les 100 ans de la bataille de Verdun. Sauf que certains politiciens de droite s'y opposeront, ressortant d'anciennes paroles problématiques qui datent de l'époque de la section, en 2009. Black M, pilier d'un groupe au texte homophobe, antisémite, anti-français. Vous manquez de respect à la mémoire, à Verdun, qui a forgé l'unité de la France. Black M est finalement déprogrammé du concert et sortira un son le mois suivant pour répondre indirectement un peu à tout ça, qui est d'ailleurs devenu un gros hit. Donc finalement, bénef. Tout ça n'aura pas un gros impact, sa carrière continue, de nouveaux gros feats sortiront, plusieurs millions de vues, et parmi tout ça, des sons qui s'adressent principalement à des enfants. Son deuxième album se vend bien, mais après ça, il prend enfin une pause pour souffler un peu. C'est là que la chute va vraiment commencer. 2019, Black M annonce son retour avec son troisième album, Il était une fois. Il le présente comme un projet vraiment taffé qui va raconter plein d'histoires. C'était censé être le grand retour de Black M, accompagné de plein de rappeurs du moment. Il invitera Huss, PLK, Koba, des mecs qui savent faire des hits, et les singles qu'il balancera en amont du projet marcheront plutôt bien. Après septembre 2019, tous les astres sont alignés pour que Black M fasse un troisième massacre. Ça va pas du tout être le cas. L'album fait 5000 ventes en première semaine, alors c'est un très bon score pour un artiste encore en pleine croissance. C'est pas le cas pour Black M. Là, ça sera vraiment vu comme un flop. C'est même pas que les gens ont pas aimé le projet, c'est que pour la plupart, ils l'ont juste pas calculé. Moi-même, je l'avais complètement oublié. 4 ans après, le projet est toujours pas or, alors qu'il sortait d'un pratiquement double diamant, d'un triple platine. Comment il a pu autant se tromper? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'entre 2014, 2015 et 2019, il y a que 5 ans qui les séparent. Pourtant, le rap français a grave évolué. Donc forcément, on donne moins l'heure à un Black M qui lui avait pris une pause et qui, en plus de ça, revient avec une recette pas très actuelle. Mon dernier album, c'était il y a 2 ans. La musique, ça va vite. Il y a énormément d'artistes qui sont arrivés et je raconte. Ah, ils ont oublié. Je suis obligé de revenir et tout plier. Ah, ils ont oublié. Je suis obligé de revenir et tout plier. Le pliage en question. En réalité, la force de Black M, c'est pas de faire un bon album construit, cohérent entre chaque titre. Je vois plutôt ça comme une compilation de tentatives de hits. Bien sûr, entremêlées de ça, de quelques sons kickés. Et si quelques-uns de ces hits ne prennent pas, c'est tout le projet qui tombe à l'eau. La concurrence est dure, les recettes ont évolué. Black M essayera quand même d'être plus sérieux. À l'époque, il y avait toujours pas mal de second degré dans sa musique, parce qu'il voulait plaire aux plus jeunes. Comme on l'a dit, c'était eux le plus gros de son public, ou du moins qui poussaient les sons. Alors que là, il va parler d'harcèlement scolaire, des dangers des réseaux sociaux, des violences policières, des thèmes importants, mais qui parleront moins à ce public là. Malgré ça, il réussira quand même bien à exploiter l'album avec quelques beaux clips, mais ça s'est senti dès cet instant que Black M avait perdu une grosse partie de sa fanbase. Et ça va clairement pas s'améliorer par la suite. Faut savoir que même en partant en solo, il était toujours chez Watibé. Du premier album jusqu'à Il était une fois, il était encore dans le label. Mais c'est en 2021 que Black M aura des problèmes avec Dawala, son manager, celui qui gère le label. En fait, il était en fin de contrat, il sort un dernier EP sous Watibé, le but étant d'ensuite partir en indé. On apprendra même qu'il aurait bâclé le projet, histoire de s'en débarrasser. Résultat, il fait 500 ventes. La seule excuse qu'on pourrait dire, c'est que le projet est pas sorti en physique, il était pas dans les bacs, mais quand même, 500 ventes. Black M. Les jours d'après, il va tacler Dawala en story, lui reprochant de l'avoir escroqué et de vouloir bloquer la fin de son contrat pour pas le laisser partir. Bon, c'est un peu les seuls échanges publics qui sont sortis, contrairement à Gims qui lui a parlé de ses problèmes avec Dawala en interview. Par contre, dans les sons, il est beaucoup plus piquant. On a tous entendu parler du fameux Retour des Rois qui devait sortir mais qui finalement a été annulé. Faut savoir qu'il y a un morceau d'album qui a leaké et dedans, Black M dit ça. On sait très bien qui a voulu nous diviser, on va pas revenir dessus. Le chétan sait se maquiller, se déguiser, te retourner la tête pour des sous. Je sais pas, il y a une histoire trop bizarre. À l'époque de la section, ils parlaient tous de Dawala comme quelqu'un qui les a sortis du trou, voire même comme leur grand frère. Visiblement, au fil du temps, les choses ont changé. Bon, l'avantage dans tout ça, c'est que c'est bon. Black M est maintenant un peu plus libre et vient d'ailleurs tout juste de sortir son nouvel album, La Légende Black. Y a pas de suspense, encore une fois, peu de personnes prendront le temps de s'y intéresser. Ça se confirme dans les chiffres, vu qu'il fera tout juste 1000 ventes. On pourrait se dire, en vrai, osez des chiffres. Même si le projet marche pas, du moment que ça le fait kiffer, qui refait par exemple des sons comme avant, bien kické comme à l'époque de la section, mais c'est pas le cas. On sent que c'est pratiquement que des tentatives de hit, mais c'est raté. D'un côté, il essaie de repêcher un jeune public comme dans Les Yeux Plus Gros Que Le Monde, avec des sons qui s'approchent limite de Contine. M dit faut qu'on se parle. Ah, allez, je suis convoqué. J'ai vu les messages. Je suis rentré dans ce bar un beau soir. Le serveur ne m'a pas dit bonsoir. Pour de vrai, qui va écouter ça, sérieux? Le frérot, il est à côté de la plaque. Même les plus jeunes veulent pas de ça aujourd'hui. Il y a aussi d'autres tentatives. Par exemple, ce son, pour vous, il est sorti en quelle année? Sois gentil. Comment tu peux te dire que c'est une bonne idée de sortir ça en 2023? Il ressemble tellement à un son qu'il a sorti 9 ans plus tôt. Et on disait qu'il
avait trop de tir et qu'ils vendaient du révolé. Il est bloqué en 2014. Après ça, t'as un feat avec Taiki, suivi juste en dessous d'un feat avec Amir. Amir, c'est lui là. Salut, c'est Amir. Je me demande réellement s'il était un minimum entouré pour ce projet. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune logique. Et franchement, c'est décevant. Parce que comme je l'ai dit, c'est le premier projet que Black M sort depuis qu'il a quitté Watibé. Donc j'étais un peu curieux quand même. Bon, est-ce que c'est complètement fini pour Black M? En vrai, je pense pas. Je pense déjà qu'il faut qu'il s'entoure mieux, qu'il s'intéresse à ce qui sort aujourd'hui. Parce que là, ça sonne presque ringard pour une grosse partie de ses sons. Heureusement, il y a un, deux sons rappés qui rattrape un peu le truc, et encore, il garde encore des fois des flows qui ont mal vieilli. D'ailleurs, dans l'un de ses derniers sons, il a de nouveau placé un pic pour Dawala. Mais toi, pourquoi tu nous as pas dit dans la section d'assaut, certains ont pas touché un radis. Je pense vraiment qu'un beau single pourrait relancer sa carrière, mais faut pas non plus rentrer dans une course après ça, parce qu'il y a pas de recette parfaite. Et à l'heure actuelle, quitte à retourner dans un truc un peu moins tout public, autant se faire kiffer, refais du bon rap comme tu sais faire. Je suis sûr que ça parlera à plus de monde. J'imagine qu'il a bien coffré depuis le temps, donc il a le temps d'y réfléchir. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez de tout ça. Et évidemment, je critique pas la carrière de Black M. C'est pour ça que j'ai pris le temps de parler de tous ses succès avant. Faut pas oublier tout ce qu'il a fait avec la section. Merci d'avoir suivi la vidéo entièrement. Likez, abonnez-vous, ça aide de fou. Il y a une vidéo qui vient de sortir là, normalement. J'ai été invité sur un petit média indé qui parle de rap. On reparle un peu de mes débuts sur YouTube. Je pense que ça peut vous intéresser. Ceux qui veulent en savoir plus sur moi, je vous mets le lien. Normalement, vous pouvez cliquer là. Et je sais qu'ils ont aussi prévu un concert le 8 décembre avec plein de rappeurs. Si ça vous intéresse, en tout cas, je serai là. Et à très bientôt. Ciao. Salam, ya salam. سكرت الباب على صوري على عمري عالنار اللي حرقتني